va se déclarer ouvert le premier festival indépendant du film à mesure de Paris. Monsieur le Tafaskaya Guérin, au salon Arsène de Mazars indépendant, Alhamdoulilah, le rachement au général Hadna, Amadi Mazarin le Maroc, Amadi Mazarin le Nebdjaya, Amadi Mazarin le Bouira, Amadi Mazarin le Fizouzou, Amadi Mazarin le partout. Je suis prêt à aider tout le monde, en tant que simple citoyen de la Kabylie. Vive Mazarin, vive la Kabylie. C'était vraiment un festival génial, plein d'enthousiasme, d'ambiance. Et on a découvert une culture qu'on ne connaissait pas forcément, une approche à l'image différente des paysages aussi. On a voyagé et on est très content d'avoir pu participer à cette première édition. On accompagnera M. Boudaoud et l'association pour l'année prochaine. Franchement, belle découverte. Très belle découverte et j'espère en refaire vraiment. Et puis très bel accueil, très bonne ambiance à Rochère. Donc je tiens à remercier d'abord M. Younes Boudaoud et Difkem et Kremen ce genre de festival pour évoluer le cinéma kabyle. Inch'Allah, c'est la deuxième édition du festival. Et oui, Zaki Bouda, les prix, c'est pas parce que leurs films ils sont pas bien, parce qu'on a vu tous les films, mais juste que voilà, que le meilleur gagne. Et puis, qu'est-ce que les tableaux donnent? Le prix du meilleur réalisateur est à Abraï Hossin Tahiri. Bravo, voilà. Le trophée. Le trophée, voilà le trophée. Ce magnifique trophée. Voilà, on est en photo, hein. On va stacker la photo. C'est sa conception et c'est mon idée. Et tout ce que vous voyez là, c'est des fils en or. Il a été cousu en or. Et bravo pour ce merveilleux trophée, on applaudit. Merci pour les Algériens. Voilà. Merci pour les invités. Merci pour ce festival qui vraiment c'est un festival magnifique. Merci pour l'accueil. Merci aussi monsieur Younes, vraiment il a fait des efforts. يعني المهرجانات ماشي فيها لا يستثني على اساس اسكاب جائزه الفيديو ما قال الفيديو يعني ميد اللي مولين الناس نجيو بالفن الدغي ديمون نغرم المخرجين ديال عدد المسائل الحمد لله اصدار تفوق. Le prix du meilleur scénario va au Le combat du cœur de Mohamed Mohamed Rahal. Ok, bonne chance et bonne continuation, M. Boudaoud. J'espère qu'on fera mieux l'année prochaine. Et bonne chance, merci.